Bonjour tout le monde, ici Gizmo64. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien aujourd'hui. Petite vidéo sur Soul Calibur 6. On commence maintenant la découverte. Vraiment, je vais aller dans la création de personnages. Vous montrer un peu les persos que j'ai créés. Shenmue et Ryo Azuki de Shenmue. Ben aimé ce jeu là.
Ça, c'est un des JRPG que j'aime bien. So, you're the guy who saved one of our own? On behalf of our... But, unreasonable? This is one thing I... Why not? It ain't like it's... This is a keepsake from... A keepsake? L'autre mode histoire, parce que l'autre mode histoire, je trouve de blabla. Moi j'ai des faux Galibur, je trouve que c'est pas de l'œil. J'aime pas trop ça dans n'importe quel jeu quand c'est pas le trop. Moi je préfère l'action. Quand c'est des jeux contre trop comme The Outer World, il y a beaucoup de dialogues, c'est contre trop. C'est fou l'affaire que Spencer veut faire, le X-Cloud. Et mettre des manettes de PS4, c'est vraiment pas fou parce que en même temps il va pouvoir faire. Ok, fallait que je fasse ça là. Ling Shang Suba. I strike without reserve. KO. On vajra dharma killing. Well, you're not gonna fall for you in the way. Okay. Perfect. Okay, well. Mais c'est ça, c'est pas fou, c'est parce qu'en même temps il fait ça, mais en même temps le monde ils vont ceux qui ont pas acheté la Xbox, le pas acheté la console, ils vont pouvoir jouer avec le Xbox puis peut-être en cachette aussi parce qu'il y en a qui sont PlayStation. Ils sont pour PlayStation, puis quelque chose à ajouter d'Xbox, voilà, ils vont peut-être jouer en cachette, là, c'est, ouais. How dare he harm my face? En même temps, c'est pas fou, en même temps, je trouve ça vraiment quand même intéressant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, hein. Ils sont pis toutes. Mais parce qu'eux autres, ils veulent que le monde pense au-delà de l'exclusivité. Ils veulent pas que, ils veulent que le monde arrête de penser que le monde, il y a des meilleures disponibilités de l'un que de l'autre. Oui et non. What the fuck? But I'm getting there. Out of the way! Battle 2. Fight! I'll ruin you! Going somewhere! Go get some rest!
J'ai pas trouvé la stovette mémorable avant la fin. Et la fin, c'est le seul mémorable que j'ai trouvé. God of War, I didn't have better things to do. Damn, the mirror doesn't work. You, adios, Kim. Take Killer Quest. I know, kid. It's like I ain't, and you, those guys will be. We will. It's the only. Mais en même temps, quand je vois ça, je me dis que non, mais Xbox, ils vont être partout, hein. Ils vont être partout sur n'importe quelle plateforme. Puis le monde, ceux qui sont encore de l'évolution, ils vont être en mode PlayStation, ouais. C'est tout pareil, En même temps, moi ça me dérange pas d'acheter une console pour les espions, les calques, les espions comme 4 ans, les espions, non, j'ai pas la passion. Vraiment pas la passion. Surtout que c'est pas des espions qui me hype, c'est. Voilà, c'est beau graphiquement. Pour moi, c'est comme. C'est, pour moi, c'est comme Marvel. C'est une console. La merveilleuse réalisation. Fait des grosses esprits, on joue sur la danse. C'est même à faire qu'on voit des jeux, c'est. On dirait à par un gars. On annonce le jeu de 300 d'années. On dit que le jeu est down, on a le jeu. Pour moi, pour ces jeux, c'était mieux avant, il y a mais aussi pour moi, c'est la PlayStation 4, que j'aime pas faire trop trop de consoles que je vais comparer mon jeu à mon PlayStation 4, voilà, looking good. Au niveau des joueurs, c'est le niveau de la plupart des joueurs PS4 disent que Xbox c'est de la merde, mais bon, moi je m'abaisserai pas à ce niveau-là. Moi je suis quelqu'un d'éduqué, je compare pas tout non plus à de la matière fécale. Mais voilà, j'ai la barre aussi. Ce que j'aime pas de PlayStation, c'est que quand la batterie est morte, t'as qu'on t'a trop laissé ta manette à la charge, faut que tu changes de manette ou tu ouvres ta manette pour avoir les batteries. Ça, je sais pas, c'est. Je veux dire, une manette, ça coûte plus cher qu'une batterie. Une batterie, honnêtement.
night. So he's the wielder of Soul Edge. Et ça, c'est surtout PlayStation, c'est surtout bon pour ceux qui aiment la technologie, qui aiment la technologie, qu'on, ceux qu'on appelle les geeks en règle générale, ceux qui aiment voilà la technologie, la VR. Moi, j'suis un gamer lambda. Moi, j'suis un serious gamer, gamer sérieux lambda. Moi, je cherche pas la technologie. Moi, la technologie, il faut apprendre son temps. Quand c'est trop vite, des fois, c'est... Moi, je préfère que toute chose se développe en son temps. What the fuck? Battle 1. Fight! See! Moi, ce que j'aime pas, c'est quand j'attends des keyboards, des commandes sur le web, je suis passionné, des équipes qui supportent, qui ont caché, qui font la promotion de la guerre des commandes. Moi, je trouve ça vraiment difficile, c'est vraiment des pages, donc, ouais, comme... De toute façon, j'aime pas que Norien, ils ont une communauté en Norien qui est en train de faire des choses à faire des choses. Link Shang Suba! Love it! Is that all you have? Not quite! Moi, vu qu'ils disent que le PS4 c'est le meilleur que le PS4, c'est le même pour moi. C'est du monde qui veut se combler, qui veut se combler que leur console est meilleure que mon client. C'est ça pour moi. C'est ça que ça fait, il a gardé des consoles, ça fait aussi à café, ça fait des jeux. C'est ça que ça donne rien au final. Mais bon, au final, ceux qui font la production et qui ont des consoles, c'est pour ça que je vois PlayStation ou Xbox, ils vont s'en rendre compte assez bien. Ça donne rien au final parce que vous voulez m'acheter pour PlayStation 4, mais finalement j'ai pensé à Nintendo Switch. Moi, voilà Nintendo Switch, c'est des jeux à claquant des doigts. Alors, c'est pas des gros jeux, mais ils font juste à claquant des doigts. Et Mario Bros, pour moi, c'est plus une valeur solide que PlayStation. Ben oui. C'est PlayStation, j'ai des droits qu'à chaque fois. Moi, j'avais un bon souvenir, mais après, j'ai tout comme ça. Such power! Could this be? Show me your strength! Moi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je revienne avec PlayStation? Des photos, je vous le dis tout de suite. Naughty Dog, faites-nous revenir Jack and Dexter et ensuite on en reparlera d'attitude. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, Jack and Dexter pour moi, c'était une des exclus fortes qui faisait que j'aimais bien PlayStation. Faites-nous revenir Jack and Dexter. Faites-nous revenir Sly Cooper ou non, Sly Cooper c'est rare, oubliez ça des photos, c'est rare, ils s'en reviendront pas. What? Who the hell are you? Killick! Are you okay? C'est comme Yes, fine. C'est comme Ratchet et Clank. C'est mort après la PS2 là, c'est After les Ratchet et Clank, c'est quasiment des films. Le seul Ratchet et Clank que j'ai bien aimé sur PS3, c'est sur l'épisode PS3. Et le seul Ratchet et Clank que j'ai bien aimé, que j'ai apprécié, c'est Fissure dans le temps, Crack in Time, c'est l'histoire, c'est les réécritures des origines de Clank, de Ratchet.
Et en même temps, il y a une histoire de le gars, il y a un des Lombax qui essaie de. Qui est l'ami du père Ratchet qui essaie de reculer le temps pour réparer ses erreurs passées. Ça, c'était le fun. Ça, je me suis dit, il y avait comme de. Il y avait une profondeur artistique que j'avais bien aimé. Il y avait une profondeur au scénario, ça, j'avais bien aimé. Mais les autres qu'il y a eu sur PS3, il n'y a rien. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de gros message fort du genre on peut pas réécrire l'histoire, on peut pas réécrire le passé, on peut pas monter dans le temps pour corriger les erreurs. Ça pour moi, c'est un des jeux mémorables. Ça, c'est un des jeux que j'ai fait à. Vraiment, je reverrai sur ce jeu. Voir Ratchet parler de Luigi, je sais pas. Huh? How do you like this? Ça le fait sûrement, mais je sais pas. Lol. Faudrait trop que je regarde le film à un moment donné, ouais. Ratchet & Clank parler comme Squeezie, ouais, ça devrait le faire. En tout cas, c'est sûr, si Squeezie aurait fait la voix de Sonic, ça l'aurait faite. Ça, c'est sûr. Ça l'aurait fait plus que celui qui fait la voix de Sonic actuellement. Allez, le nouveau dans le prochain film. Sonic, c'est un coup marketing des poteaux. Ben oui, quand tu vois le modèle d'avant puis le modèle final, tu vois c'est du marketing, c'est purement marketing. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient, dans le fond, demander la permission aux fans. Ils voulaient pas trop se faire taper dessus. Fait qu'ils ont dit, regardez notre Sonic, c'est demain que vous voulez. Les fans, ils ont fait, bon, ben non, c'est... Pour moi, c'est ça, ça paraît d'être trop, c'est... Ben oui, Mais preuve, ils l'ont corrigé, fait que c'est ça pour moi, ça veut tout dire. Pas trop mal, ce Soul Calibur. I'll have revenge for my family. Putrid maggot, you're dead now. Battle one. Fight. You'll pay for that.
Going somewhere? You're mine. KO. Battle two. Fight. This. The surf's gonna get rough. Bon, les potos, on va s'arrêter là bientôt, mais bon, voilà. Personnellement, j'ai bien aimé ce Soul Calibur 5. Non, 6, pardon, pas le 5, le 6. J'ai bien aimé ce Soul Calibur 6, le mode histoire. Il y a deux modes histoire, il y en a un qui crée ton perso, que je suis pas très fan. De ce mode-là, il y a trop de blabla inutile. Celui-ci, il n'y a pas trop de blabla, c'est blabla. Ensuite, c'est du bataille, d'attit. Alors, je sais c'est bien, j'aime quand même pas mal bien. Et je voulais vous dire aussi, des photos, que bientôt, j'organise le Gizmo Award. Le Gizmo Award qui aura lieu vers fin décembre. Je dirais plutôt peut-être le... Voilà le 25, peut-être le 26 ou le 27 décembre, j'organise tout ça, mais bon, parce qu'il y a aussi des jeux qui m'intéressent, que je n'ai pas encore joué, fait que c'est ça, le temps d'analyser des jeux, donner mes coups de cœur, puis tout, mes ressentis, puis tout, je préfère faire ça après Noël, d'attitude, ouais, tout moi c'est correct, c'est bon, mais bon, je tenais à vous avertir que quoi, ça sera bien vers fin décembre, et mardi, on redécouvre le jeu Halo Reach, qui est pour moi un Halo quand même assez original, pour certains, c'est le meilleur des Halo. Moi, personnellement, je trouve quand même original. J'ai joué à la version 360 dans l'époque, ça piquait un peu les yeux, mais bon, j'ai hâte de voir les modifications qu'ils vont faire. Et sur ça, les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo découverte sur Soul Calibur 6. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Gizmo64. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous plaît, et de vous abonner si mon contenu vous plaît en règle générale. Et d'activer les petites notifications, ça fait toujours plaisir. C'était Gizmo 34. Allez, ciao!